Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo de gameplay sur l'alpha de Ready or Not. Vous vous souvenez, le FPS tactique que tous les fans de la licence SWAT attendent avec impatience? Eh bien aujourd'hui j'ai le droit de vous en parler, mais surtout de vous montrer du gameplay, ce que je vais faire sans plus attendre car je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Mais avant ça, je dois vous préciser encore une fois que nous sommes sur l'alpha et que tout ce que vous allez voir ne représente pas la version finale du jeu, mais bordel, c'est plus que prometteur. Donc pour cette première vidéo, je suis en compagnie de mon binôme Wolf sur le mode co-op et sur la map Twisted Nerve. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. T'es prêt? Moi je suis prêt. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arrêter ou neutraliser les ennemis, secourir les civils et trouver deux packs de méthamphétamine. Et arrêter deux suspects également. Ça te va? Ouais, c'est vrai. Allons-y. Hop, on vérifie le mode de tir. Ok, je vais checker sous la porte. On sort le petit wand. Et là, faut s'y habituer. Alors, pour info, on peut l'utiliser en plein écran, sauf que moi j'ai décidé de l'utiliser comme dans la vie réelle, sauf que on voit pas grand chose. Hein. Mais c'est un coup à prendre. Là, je regarde s'il n'y a pas de piège au niveau du mur de l'entrée. Le chef. Rien à signaler là. Et la porte, on peut l'ouvrir directement. Tu me dis quand c'est ok pour toi. C'est bon? Je sais pas, c'est quand tu veux. Mais... j'avais vérifié la serrure. Ah non, il y avait le cadenas. Bon, on déverrouille. Hein. Allez, c'est bon. Hands up. Police. Hands up. Je crois que je l'avais pas vu, elle. On va sécuriser la zone avant. Oui. Ok. Je la zip. Excusez-moi madame, je suis obligé. Hein. C'est pas contre vous. Mais je suis obligé. La mettre. T'as trouvé de la mettre. Ok, il l'a mis sous scellé. Et on va checker cette porte. Ça donne vers l'extérieur, ça. Est-ce qu'elle est armée, elle? Ok, donc j'ai une femme là sur la gauche à 10-11 heures. J'arrive pas encore à déterminer bien là, je sais pas bien l'utiliser. Et pas de piège et ça donne sur l'extérieur, donc éventuellement il y a un jardin avec une grande zone derrière quoi. Tu veux qu'on check dehors ou qu'on d'abord on sécurise la maison? Le boss. On vient, on s'occupe d'elle. Ok, c'est bon. Merde! C'est barré. Fais gaffe, je sais pas où elle nous emmène. Il y a un piège sur la porte à droite là, je neutralise.
l'étage. Ok, bien vu. Tu l'as traité? Je sais pas, juste riposter, je peux pas viser précisément avec ça. Ok. Bon, du coup, attends, on occupe du piège. On va rentrer pour l'instant. Copy. Getting rid of the trap now. Ok, piège neutralisé. Vas-y, on retourne dans la pièce. Ah, les réactions de l'IA sont super intéressantes. Vous me direz hein, dans les commentaires ce que vous en pensez. Putain. Suspect kill. Talk to element. Roger that. Trailer's incoming. Proceed. M'a sauvé la vie mon pote. Je crois que c'était elle, non? Ou non, c'était une blonde. Ils sont venus chercher ma blessée. Hein. Ok. T'es blessé où? Oh. Ah oui, je vois. Ok. Un escalier là, je crois que sur la gauche. Ok, là il y a un Pax. Il a l'air d'être. Il est agité, mais il a pas l'air d'être armé. Ok, donc là en fait, sur notre gauche, quand on rentre, il y aura un escalier au fond. Et à droite, il y a un Pax. On va dire qu'il est désarmé. En tout cas, j'ai pas vu d'arme, mais faut faire attention quand même. Au fond, à droite. Ok, il se rend. Ferme la porte. Ok, je sécurise. Cuffed and secure. He's not going anywhere. This is only for now. Everything will be okay. Je vais checker au niveau de la porte, Wolf. J'arrive pas bien à voir là. Il y a un coup à prendre. Il y a une porte au fond. Pas de piège. Donc là j'ai une porte au fond après la pièce, j'ai pas vu de personnel. Non. Je voulais pas poser le C2 sur la poignée moi. Ok pour toi. Vas-y, je te laisse pousser la porte. Ah, j'ai la lumière qui reflète là. Lumière des derrière. Enfin, du plafond, je veux dire. Je pense que c'est une grenade ça. Pour info, on peut pas péter les lampes, détruire le décor. Hein. En tout cas pour l'instant. Wolf, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a un explosif derrière cette porte là. Donc on va pas passer par là. Je vois un truc sur la gauche là, je pense que c'est une grenade. Donc on va peut-être aller voir l'étage d'abord. Tu m'as dit quoi? Désormais. Bah d'ici je peux le désarmer, t'es sûr?
Attends, j'ai pas de câble. J'ai pas de fil. Ah bah, faut que je vois ce qu'il y a sur la gauche parce que ça semblait. Ça ressemblait en tout ouais, cas. C'est sur l'autre. Ah oui, donc c'est sur l'autre, ok. Ok, on coupe le câble. Ok, c'est désamorcé, c'est bon. Alors, mais nous d'ailleurs cette pièce. Une sorte de KGB, ça. On n'arrive pas bien à voir les distances hein, avec avec le petit wand. Ok, donc ça a l'air d'être une petite pièce. Une sorte de KGB là. Si c'est pas ça, faut que je repasse ma formation au petit wand. Vas-y, t'es prêt, je vais ouvrir. Bon, ça va, j'étais pas trop mal. Putain. C'est un dur au mal lui, non? Bien joué, Wolf. Il a sécurisé son arme. Hands up. Et il a pris une dans le bras. Allez hop. Il a bien défoncé le... You know what, man? Ah, il y a quelqu'un au sol à... Une civile qui... C'est toi qui l'a tué ou c'est... s'est fait tuer par le mec là? Ah, c'est certainement lui. Hein. Merde. Ok, donc ça c'est la porte. Il y a une grenade là aussi. Il y a des amorces. Ok. Pareil, c'est un KGB, ça j'ai l'impression. On a plus une entrée ou quelque chose comme ça. Il y a une porte sur la gauche. Ouais. RAS, par contre, il y a une porte sur la gauche qui a l'air fermée. Donc fais attention. Vas-y, tu peux rentrer. Une araignée géante. Y a pas de méthamphétamine ici. En tout cas, y a du sang. Hein. There's a trap right there. Des explosifs sur la porte. Bon, ça se voit bien en fait. Hein. Je me posais la question comment j'allais voir. Explosifs sur la porte à droite. T'es sûr qu'on peut désamorcer? En ouvrant un petit peu? Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je kiffe. Hein. Là, dites-vous que c'est juste une alpha, quoi. Et là, on est que deux. Quand on sera 3-4, ça sera encore mieux. Mais là, voilà, je tenais à vous faire découvrir, en fait, en avant-première, mes premières sessions de coopération. De quoi, Wolf? D'abord, c'est celle qui était dehors. Ah, ok, on arrive sur la pièce où on était. Ah, oui, c'est celle qui était dehors, exact, d'accord, bien vu. Donc, ouais, je tenais à partager avec vous mes premières parties en fait sur Ready or Not, quoi. De quoi, Wolf? Bah, c'est l'étage, hein. Ouais. Donc j'espère que ça vous plaît, en tout cas, sachez que c'est une des premières vidéos, mais ça sera sûrement pas la dernière.
je vous réinvite à aller voir la vidéo de présentation du jeu. Hein. Là, je vais pas tout réexpliquer, mais sachez que si vous avez aimé SWAT 4, vous allez adorer Ready or Not. Hein. En tout cas, il prend la bonne direction. Vas-y, on va check la porte du fond. Oh, je vois que dalle. Ah. Il y a quelqu'un qui est armé. Juste que je regarde si... Il n'y a pas un piège, non. On a quelqu'un d'armé sur la gauche, Wolf. Quand on rentre sur la gauche. Gauche. Enfin, à gauche, il y a un mec armé. Je vais flash, ouais. Ouais, c'est pour ça, on flash. Non, j'avais pas entendu, ouais, on va flasher. Ouais. Oh putain. Oh putain. Je vois plus rien. Police, hands up. Elle a pas passé la porte! Putain, j'avais pas vu la personne devant quoi. Donc je flash Wolf encore ou c'est bon? Il est juste là mais il veut pas se rendre. Je flash. On rentre. Get down and show me your hands up! Hands up! Merde, j'ai plus une autre. Sur la gauche. Je me soigne. Ouh. Ouh. Ça va, Wolf? J'ai flashé du... Ah putain. Gauche. Je vais sécuriser le mec. Lui mettre les menottes là. Oh là là, on est chaud de ouf. Putain, il m'a fait trop mal. Là. J'en ai pris une dans le bras gauche et une dans la jambe. T'es comment, Wolf là? T'es beaucoup blessé ou pas là? Je m'attendais pas à qu'il y ait quelqu'un dans cette pièce qui nous allume direct quoi. Faut s'attendre à tout, merde. On nous l'a appris ça. Vas-y. Ouais, elle a rushé au moment où je voulais lancer la flèche. Du coup, elle s'est retrouvée dans notre... Oh là là, c'est chaud. Je me remets de mes émotions, les amis. Donc, il n'y a pas de piège. Pareil, c'est un KGB, ça. Ok, Wolf, ça doit être un KGB. T'es où, là? Ah, t'es là. Personne? Vas-y, j'ouvre. Non, il n'y a personne. Il n'y a pas le... Il demande qu'on récupère deux packs de méthamphétamine. Dégueulasse ici. Vas-y, je te suis. Ça doit mener dans la pièce où on était, non?
Oula. Un lit? C'est quoi, c'est un gamin sur le lit là? Wolf, on arrive dans une chambre. J'ai l'impression que c'est une chambre d'enfant. Et il y aurait éventuellement un enfant sur le lit à 11h. Par contre, j'ai pas vu d'autres personnes. Et après, je vais ouvrir. Tu vois quelque chose? Sur... Il est ouvert. Putain, c'est une gamine. Qu'est-ce qui arrive? Salle de bain. Ok. Vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous. Bon, elle est pas bien. Pas bien du tout la petite là. Ok, on va checker la porte là-bas. Non, pas armé. Oh putain. Pas de piège. Wolf, on a une civile à l'entrée et un peu plus loin sur la gauche, il y a une femme armée. Il prend des flashs. Affirme. T'en as plus toi? Vas-y, je dis t'as plus de flash toi? Non mais c'est soit je flash et j'ai le bouclier ou... Ok, je vais ouvrir et je vais jeter une, je vais ouvrir, je vais jeter une flash. Voilà. Elle se barre. Ok. Sécurise. Je la sécurise elle. Fais gaffe à la porte, hein, qu'elle rentre pas à l'autre. Bon, je vais checker la porte, hein. Mais bon, fais gaffe que ce soit pas derrière. Pas de piège déjà. Bon, je pense pas qu'elle a eu le temps de poser un piège, mais bon. Putain. Je connais bien les lieux en plus. Il y a un couloir sur la gauche là, mais pas de visuel. Là j'ai le couloir au fond, si j'avais pas vu, tu vois. Je te suis. Ok, je te suis pas là, je check le couloir. Hein. Et voilà. Ok. Je vais prendre la pièce. Hands up now. Passe. Ok, je t'attends dehors là. C'est barré où elle? On check l'étage. J'entends courir là, non? Putain! Je suis blessé Wolf, faut que je me soigne vite. Je flash. Il faut que je recharge.
ça l'a pas pris sa flash, ça l'a pas pris la flash. Oh putain, je suis deg. Oh là là. Donc là on voit la caméra de ouf avec le bouclier. Putain, elle a pas pris la flash quoi. Et voilà mon corps. Je suis mort les amis. Ah je suis dégoûté quoi. Comment ça elle a pas pris la flash? C'est une alpha, je sais les amis. Normalement plus tard elle prendra la flash. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite session sur Red Dear Note vous a plu. Je sais pas si je peux encore parler avec lui, je crois pas. Wolflarm, elle est juste au niveau de ses genoux. Je sais pas si tu m'entends. T'entends le mort. Donc oui, je disais... Sur ses... Ouais, elle est un peu plus... Elle est à 1 mètre sur la droite, là. Son arme. En fait, il y a un problème de synchronisation également. J'ai pas d'arme sur ses genoux. Un mètre un peu plus à droite. Tu suis la direction de ses genoux et à 1 mètre d'elle. Non, j'ai rien autour. Ok, bon bah. Il y a un petit problème de synchronisation. En tout cas, bah, j'espère que cette petite session sur Red Dear Note hein, vous a plu. Avec Wolf, on va y retourner, ça c'est sûr. Et de ce qu'on peut voir en tout cas sur une des premières versions de l'alpha en coop, c'est plus que prometteur. Quoi. En tout cas, l'ambiance est déjà là. Les réactions de l'IA sont plutôt intéressantes. Vous avez vu comment elle nous a rushés. Elle a dû passer par les escaliers, peut-être remonter, je sais pas, on n'a pas trop compris. En tout cas, on ne l'a pas vu quand on a fait le tour et elle nous a attaqué par derrière. Il y a plein de bonnes réactions, comme tout à l'heure quand on était dehors à l'extérieur, bah, au niveau de la fenêtre, ça nous a attaqué, c'est parti se planquer. Donc voilà, c'est très prometteur. Il y a encore du boulot sûrement à faire sur l'IA. Je testerai le mode solo pour voir en fait comment réagit l'IA, l'IA alliée, les commandes et tout ça, on testera. Et puis voilà, on se verra sûrement en live et en vidéo pour la suite des aventures. Et puis bien sûr, on va continuer à faire du Red Dear Note et vous montrer les différentes maps. Et principalement de la coop. Le PVP, c'est pas trop ce qui nous intéresse, à part si le PVP se joue roleplay. Ça, on verra par la suite. Peut-être qu'on s'organisera ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Oh là 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 là, coup de fusil à pompe. Ouais, c'est bon, c'est la fin. C'est la fin. Je visite. Un petit mot, Wolf, par rapport à ton ressenti? Maintenant qu'on a plus de NDR, on va pouvoir en parler. Et ça s'est franchement très très bien amélioré. Là, je suis content de voir les progrès qu'il y a eu. Hein. On n'a pas eu de nouvelles pendant un petit bout de temps. Ça inquiétait un peu de monde, mais vu ce qu'ils ont sorti, ça annonce que du bon. Franchement, le jeu, il est devenu excellent là. Alors, j'attends pour info, avoir un peu plus de nouvelles. On n'avait pas le droit de vous parler de ce qu'il y avait avant. Donc, de ce qu'il y avait avant cette version-là. Là, maintenant, on peut en parler. Enfin, on peut parler de ce qui se fait maintenant. La chose qu'on peut vous dire, c'est qu'avant cette version-là, c'était pas inquiétant, mais disons que bon, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et là, on va dire, c'est plus prometteur, quoi. Là, on retrouve vraiment le fils spirituel de la licence SWAT, et notamment de SWAT 4, quoi. Ah oui, là, c'est vraiment un bon retour aux sources. Hein. Franchement agréable. Et ça fait plaisir. C'est vraiment ce qui manque. Oh, précis, fusil à pompe. Oh, la maline, t'as vu comment elle était armée, elle a fait « Ah non, tire pas !» Puis d'un coup, derrière, elle a sorti son arme. C'est franchement, l'IA ennemie a des réactions qui sont fabuleuses, qui sont encourageantes. Hein. Ouais, mais grave. Entre là, moi, j'ai parlé de ce que j'ai vite fait, de ce que j'ai fait sur les parties, parce que j'ai joué un petit peu avant Tipex, et l'IA, donc là, elle rush. Il m'est arrivé une fois où je voulais checker une porte, le mec a tiré à travers la porte, il a buté l'officier qui était derrière, là, qui me suivait. Ah, parce que toi, t'avais déjà testé le mode solo. Ouais, moi j'ai testé le mode solo, donc moi j'étais en gros, j'étais comme ça en train de vouloir checker la porte, et mes mecs étaient juste en face dans l'alignement à me suivre. Et je sais pas s'il nous a entendu, s'il a vu la caméra ou quoi que ce soit, moi je commence à le voir, je vois ses pieds, je le vois reculer, il se retourne, il a smaté la porte, il a tiré à travers. Donc en fait, premier mec est tombé, moi je me suis décalé, bah, j'ai fait pareil, j'ai tiré à travers la porte. Hein. Il y a de bonnes réactions, c'est il rush, donc soit pour te finir, il y en a un qui. Ah, il y a la méthamphétamine, Wolf. Ouais, elle est là, ouais. Ah, ouais. Donc, bah, comme là, il y en a un qui te rush et il te tire dessus, il y en a un, il m'a rushé, il m'a frappé à coup de poing. Ah, ouais. Ah, ouais. Non, il y a des petits trucs sympas, donc moi c'est l'alpha, ça ne peut que s'améliorer, franchement. Bah, vu la base qu'il y a là, oui, ça ne peut que s'améliorer. Mais vraiment qu'il reste dans,
dans cette lignée de dire, ouais, dans l'esprit SWAT, quoi. C'est vraiment ça l'objectif. De toute façon, c'est ce qu'ils ont annoncé. Et pour l'instant, bah, c'est plus que prometteur, quoi. Donc, là, t'en es où par rapport à la mission? C'est la fin, tu penses? Je sais pas, franchement. En plus, j'ai pas fait de report ou quoi, donc non. Okay. Attends pas la fin. Hein. Okay. Bon, en tout cas, ouais, on va s'arrêter là. Et puis, on se retrouvera pour d'autres vidéos et peut-être des lives aussi. Comme maintenant, on peut vous montrer du gameplay, de l'alpha et donc de suivre. L'évolution de Ready or Not. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Wolf, on se retrouve très prochainement. Ouais, il y a plein d'autres missions à tester. Ouais, exactement. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à mettre un commentaire et à me dire surtout ce que vous en avez pensé. Comment ça va se terminer? Comment ça va se terminer ce gunfight? Tu vois, il m'a vu à travers, il a tiré. Ouais. Il m'a blessé la jambe. Je sais pas s'ils ont prévu, tu sais, en tout cas de blessure, par exemple de boiter ou de... Je sais pas si ça... On verra par la suite, mais... On peut se soigner rapidement selon les blessures, et pour l'instant j'ai pas vu de différence encore. Regarde, je suis blessé à la jambe, mais c'est pas... Ouais, voilà, tu boites pas, quoi, ouais. On verra par la suite, hein, ce qu'ils vont rajouter, mais en tout cas, sachez que la base, là, elle est super intéressante, quoi. Allez, on regarde juste ce qu'il y a derrière la porte, puis après, on va stopper la vidéo, parce que... La zone est grande, hein. Ça devait être juste une maison, on se retrouve mais grave. Visiter, tout, le quartier. Il y a plein de choses qu'on n'a pas testé, on testera dans les autres vidéos, hein. D'autres armes, d'autres features, il y a du taser, il y a du spray, enfin bref. Et d'où il sort lui? Il t'a contourné, quoi. C'est celui qui t'a tiré dessus tout à l'heure, il est ressorti. Je sais pas, ça venait de là pourtant. Bah ouais, ça venait de la gauche, hein. Porte, ouais, côté jaune là, à gauche. Ouais. On est d'accord qu'on a l'impression que ça venait de là. Oui, oui, oui. Il y avait bien quelqu'un, je sais pas, il a joué à cache-cache avec toi, mais il y avait bien quelqu'un. Oh, il m'a brain. Allez, on va terminer sur cette note positive. Salut, Sylvain. Allez, si, allez, jeunes, portez-vous bien. À la prochaine.